Here in France, time has stood still, for one day at least. Myriam Hermon and her friends are dressed up for the annual Journée Grand Siècle, or Grand Century Celebration. It's a time marking the reign of French King Louis XIV. Je suis parisienne et je suis passionnée d'histoire depuis quelques années. Et j'adore donc les tenues du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc là, c'est vraiment un plaisir de venir aujourd'hui pour enfin porter ces tenues, voir comment on se comporte, on marche aussi. J'ai voulu découvrir à travers un personnage comment il vivait à cette période-là. Et donc du coup, me mettre en collant, avoir des chaussures à talons, porter du maquillage, des perruques, c'est des choses qu'on n'a plus l'habitude de faire à notre époque. Today's event is taking place at the Château de Vaux-le-Vicomte, an hour south of the French capital, Paris. It was home to Nicolas Fouquet, the former finance minister of Louis XIV. Every year, there's a grand picnic on the grounds. Participants can dress up in old-fashioned costumes and take part in a contest for the best setting. On any other day, Myriam might be working at her job in elevator sales, and David as a graphic artist, but today they're preparing foods that could have been served to noblemen back in the day. Vous avez les macarons, à l'époque il y avait des macarons, des pâtes de fruits, vous avez les fruits sont tous des fruits d'époque, et la vaisselle aussi qui a été faite spécialement pour aujourd'hui. Alors ça, c'est des petits beignets au fromage que j'ai fait maison d'après une recette que j'ai trouvée sur un livre de la cuisine de Louis XIV. Ils sont salés en fait. Il mettait beaucoup de sel à l'époque pour conserver les aliments. Around 20 picnics have been set up on the grounds. Three judges make their rounds to decide who has the most authentic setting, and they're looking for certain criteria. Donc effectivement, le cadre, bien sûr le choix de la vaisselle, la nappe, le raffinement, les fleurs, les chandeliers. Il faut qu'il y ait une atmosphère, il faut qu'on nous raconte une histoire et qu'on ait envie de s'attabler avec ces personnes, de s'asseoir avec elles autour de leur table. While the judges make their decisions, Myriam and her friends take a tour of the castle. It was built in the mid-17th century by Nicolas Fouquet, and it served as inspiration for the Royal Palace of Versailles. Alors habillée comme aujourd'hui, on a l'impression, je me sens vraiment comme au XVIIe, XVIIIe siècle, et j'ai l'impression que Nicolas Fouquet va arriver, me dire bonjour et je pourrais le saluer. Voilà. Back in the gardens, the participants are enjoying the atmosphere. Most of them have made their own costumes for the occasion. This man is dressed as a spy, who also lived as a woman. Le chevalier d'Eon. Donc Charles d'Eon et Geneviève de Beaumont. Les deux facettes du personnage. I make all of the costumes for ourselves. It's wonderful to just sit in the sunshine and picnic and be with like-minded people. Et c'est vrai que du coup, on a vraiment voulu faire vivre la scène avec des positions comme celle que j'ai là. Pour faire la différence avec les autres. Donc on est très heureux, c'est génial. And he should be happy because his group's picnic won the contest. But for Myriam, David and their friends, the day wasn't lost even if they didn't win. On est content de notre table, on est content du résultat, on est entre amis, on est déguisés comme on voulait. Donc pour nous, on a déjà gagné en fait. All in all, it was a great day for everyone celebrating the grand century of Louis XIV.